Je viens de faire un glitch sur Warzone 2 qui m'a permis de monter le niveau de mon arme au maximum en une seule game. Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir reproduire ce glitch. Alors ce que je vous conseille, c'est de lancer une partie en mode pillage. Et lancez bien en solo non comblé. Ensuite, vous allez chercher un shop qui vous vend la rage de combat. Ensuite, vous allez devoir accepter un contrat de renseignement. Quand vous serez à l'étape où il faut télécharger les renseignements, vérifiez bien dans vos paramètres comment interagir et recharger que vous soyez sur la priorité à l'interaction. Quand c'est fait, vous allez activer votre rage de combat, puis appuyez sur carré pour télécharger les renseignements. Vous allez voir que ça va annuler votre rage de combat. À ce moment-là, vous allez vous cacher dans une maison pour pas vous faire tuer par d'autres joueurs. Quand vous êtes safe, vous allez dans votre sac à dos, vous allez sur la rage de combat et vous allez appuyer sur carré pour le ranger dans votre sac à dos. Vous allez voir que vous allez pouvoir le dupliquer en illimité. Quand votre sac à dos est rempli, vous déposez les rages de combat au sol et vous faites ça 4-5 fois. Ça ne sert à rien de le faire plus parce que sinon les rages de combat vont disparaître. Donc quand vous avez 20 ou 30 rages de combat sur le sol, vous re-remplissez votre sac à dos de rage de combat. Puis vous récupérez un rage de combat par terre pour vous en équiper. À ce moment-là, vous allez activer votre rage de combat et vous allez en récupérer un autre qui est par terre pour le ranger dans votre sac à dos et plus précisément le remplacer avec la rage de combat que vous avez déjà actuellement. Donc vous allez sur le logo d'amélioration de combat et là vous allez appuyer sur carré puis X. Donc ça va remplacer votre rage de combat et vous allez pouvoir en utiliser un nouveau instantanément. Donc le principe, c'est d'utiliser tous vos rages de combat pour gagner 1000 XP en illimité. Alors petite astuce supplémentaire, moi ce que je fais, c'est que dès que je vois que les 1000 XP sont affichés sur l'écran, c'est uniquement à ce moment-là que j'interagis avec la rage de combat qui est au sol pour l'échanger avec l'amélioration de combat qui est dans mon sac à dos. Parce que si vous le faites trop vite, bah, vous n'aurez pas la possibilité de l'échanger et ça ne fonctionnera pas. Donc attendez bien que les 1000 XP s'affichent sur votre écran. Quand vous n'avez plus de rage de combat au sol, bah vous avez juste à recommencer toute la manipulation pour continuer le glitch. Alors information très importante, à la fin de la partie, équipez-vous de l'arme en question que vous voulez level up pour que ce soit cette arme qui prenne tous les XP d'un coup et qui monte niveau max en une seule game. Et il faut que je vous dise qu'à ma première tentative, j'ai quand même réussi à faire 120 000 XP de niveau de joueur. Donc ça veut dire que là, si je recommence, je peux atteindre facilement les 200 000 et si j'améliore le glitch, bah je suis sûr que je peux atteindre les 300 000 XP en une seule game.